Pour nous, nous l'avons dit que notre devise c'est quoi? On ne monnaie pas notre choix par de l'argent. On ne monnaie pas notre choix par de l'argent. Il y a un adage qui dit que le choix fait les amis, le sort fait les parents. Le sort s'impose, mais le choix est un gré. Et le gré vient du profond de l'homme. Et nous sommes convaincus de quelque chose. C'est que le RPG en cancer ne vit pas pour l'argent. Mais les membres du RPG en cancer vivent pour la conviction. Merci. Et depuis 90 jusqu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de vicissitudes. Mais ces vicissitudes ne nous ont pas du tout fait changer, même d'un iota. Donc, notre souhait, que ce travail-là puisse continuer, que nous puissions quand même maintenir ce terrain à la base même. Et nous nous sommes convaincus de quelque chose, c'est que le militant du RPG, le responsable du RPG ne changera pas à cause des miettes. Nous sommes convaincus de cela. Et nous sommes convaincus également que tel que soit le temps, tel que soit les stratégies, parce que vous savez, au fur et à mesure qu'on avance, les mauvais esprits font des calculs. Des calculs pour faire trébucher le RPG en cancer. Mais quelles que soient ces astuces, ils ne réussiront pas. Ils n'ont qu'à le savoir. Ils passeront par mille chemins. Ils vont échouer. Pourquoi ils vont échouer? Parce que la voiture que nous avons empruntée depuis 90 est une droiture qui ne vaille pas. La direction nationale du RPG ne sait pas mentir à ses militants. Le professeur Alpha Condé n'a tenu et ne tient que des langages de vérité à ses militants. Ils l'ont toujours été et qu'ils continuent l'esprit d'abnégation pour que notre objectif soit atteint à court terme. Nous nous demandons une seule chose, c'est l'organisation des élections, pour que chaque parti politique se jauge. Parce que certains veulent prendre des contours pour arriver au fauteuil. Nous ne prenons aucun contour. Nous voulons une route toute droite pour aller encore à Tectoria.